savez, la dernière fois que j'étais pris, c'est avec votre femme, mais là, je ne sais pas. Je rigole, je rigole, je rigole. Comment? Vous savez, ma femme, elle me dit souvent que j'ai un gros gourdin. Elle vous dit ce qu'elle veut, moi, c'est pas un problème. Moi, c'est l'agent Aki qui me dit ça. Qui? Aki, Kate. Un peu plus de sérieux, s'il vous plaît. Shikyo, sache que je t'ai entendu. Vous avez vu, on vous a vu. Il a pas mal. Il est tombé du toit et vous courez. Bah oui, il a pas mal. Mais je suis tombé du toit à quel moment? Mais depuis tout à l'heure, je fais ça. Mais il fait ma gueule, puis. C'est trop. Tu l'as vu tomber, toi? Tu vois à quel tour? Oui, allez. T'as des yeux, t'as des gros yeux ou pas? Il est tombé d'où? Je l'ai vu tomber de là. Vas-y, de quel toit? Du lampadaire là, sur la barre au-dessus. Même lui il l'a vu. Il était sur la barre au-dessus. Mais oui, c'est ça. Il est tombé. Allez. Ah, c'est ça. Non. Allez, contre le mur. Mais il se cachait. Tu as pas peur de moi? Faut appeler mes parents. Faut appeler mes parents. Je suis témoin. Non, mais je suis vraiment pas. Je te fais un STRC. Mange le bout de pain. Non. Mange le bout de pain. Non. Je suis pas monté. Je suis pas tombé. On refuse de coopérer, monsieur, vous êtes sûr? Faux. Pas net, lui, pas lui. On de faire quelque chose, ça veut dire que vous le faites. Tout simple. Mais j'ai grave rien fait, plus ça le pire. Tu vas contre le mur. J'ai vraiment rien fait. Attendez. Mais il se fout de ma gueule, lui. Juste pour des. Il y a les yeux rouges, je te connais. Excusez-moi vous. Vous avez les yeux rouges ou c'est moi? Oui. Vous avez les yeux rouges? Ah ouais, j'ai une sale. Comment on appelle ça là? Putain, pour les yeux. Ah non, mais je suis désolé, monsieur. Ah, mais entre nous, je suis. Je veux bien être gentil, mais là c'est pas le conjonctivite que vous avez. Je vous jure, c'est une grosse conjonctivite là. Ah, vous avez ça vu... me. Vous avez. Vous avez. Depuis une semaine, je vais du colis. On va voir ça avec mes collègues. Non, vous pouvez pas, mais. Non, mais bon, ça, vous pouvez pas. Et j'ai mis du colis, hein, monsieur. Ouais, ouais. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire attention avec certaines tenues et certaines tenues. Il fallait que j'ai regardé l'arrêt, hein. Mais bon, ouais. Bah, pas pour ce colis là, monsieur. Là, y'a rien vraiment. Ouais, faites gaffe à vous, parce que cette tenue, normalement, on m'a dit que c'était arrêté, hein. La prochaine fois, c'est arrêté, hein. Eh bien, les yeux rouges en visuel, je suis pas fou, hein. Tombé, donc va contre le mur. Mettez-vous contre le mur, deuxième sur moi. Allez, tu es quand même tombé, mais tu es quand même tombé. Oh putain, ça va être long, ouais. Va contre le mur. Ok. Moi, je te laisse gaffe complètement. Je me fasse pas tirer dessus. Y'a la goule qui ressort. Ah ouais. J'avais dit l'enfant c'était une goule. J'avais dit l'enfant c'était une goule. Oh, il est revenu à la vie! Quoi? Il a plusieurs cagoulets! Mais quoi? Quoi? Je peux pas sauter, putain! Fais chier, je suis baisé! Cool! Tirez-lui dessus là, monsieur! Tirez-lui dessus! Ouah, mais votre arme elle est trop bien! J'ai envie de faire partie du CCG! Je suis baisé, je peux plus l'atteindre! J'ai envie de faire partie du CCG, c'est magnifique, je peux plus l'atteindre là, je suis baisé! Dans le tunnel! Dans le tunnel là, tout droit! Y'en a qui a compris. Ouais, comment ils sautent. L'autre il était loin à détente. Oh, mais vous pouvez sauter aussi. Je savais pas. Moi je peux pas, moi je suis une sourate, je suis que agent. Et alors, mais c'est bien, vous avez une arme M4, c'est trop stylé. Mais bon. Ça fait grave mal en plus. Bah, moi je vais rentrer au CCG, je vais me soigner pendant qu'ils font ça, moi. Allez. Hop. Votre truc ça doit arracher en plus avec silencieux et tout. Alors, on va rentrer. Ah, tu sais que j'ai commencé CCG. Disons que j'ai un frère qui fait du CCG ouais. Là et au début il avait un USP. Il avait un USP frère. C'est pas mal. Un USP. Attendez. Là il y a un up là quand même. What the fuck. C'est dégueulasse. Ça va? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans un droit comme ça? Monsieur, j'ai une question. Vous nous aimez bien ou c'est comment? Je vous adore. Ah ouais, c'est bizarre. Parce qu'on vous voit très souvent autour de nous. Il y a un père net. Reste là, je suis sûr. Oh, elle est sortie, merde. Vous, ça fait très longtemps que je vous vois traîner avec des unités du CCG. Oui, regardez, c'est le petit nain là. Tu veux?
Regardez, regardez, monsieur, refus, refus vous d'enterrer, s'il vous plaît. Refus d'enterrer. Refus d'enterrer. Oh, il court. Oh putain. Et vous Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ne sortez pas votre quinque face à quelqu'un, on n'est pas sûr que ce soit une goule. Mais... Suivez-moi. Mais pourquoi? C'est du racisme. Mais je vais boire un café. Vous nous suivez. Vous nous suivez, allez, vous nous a demandé plusieurs fois. On vous a... Je crois que vous ne comprenez pas en fait. Mais vous m'avez pas appelé. Vous savez? Ah si, je vous appelle. Vous êtes sourd? Bah je vous ai pas entendu. Ouais. Mais non. C'est j'ai le droit de boire un café quand même. Je suis un honnête citoyen. Regardez une distance raisonnable, on ne sait jamais. Ouais, je vous avec les citoyens. Non, c'est moi où j'entends des voix. C'est moi où j'entends des voix là-haut. J'ai cru que c'était une goule, mais non, c'est un crabe. Fou, j'ai eu peur pour rien. Bien sûr. Mais j'entends des voix quand même. Il se passe des trucs bizarres là-haut dans le café. Ensuite, vous avez soin. N'ayez pas peur. Tendez-la-moi. Tendez-la-moi. Tenez. Dehors, sur la terrasse. Oui, bah. Pourquoi il parle de la terrasse ça? On va se faire gommer là. C'est pas compliqué. Et tout. Passons de fast food. Ouais. Je peux tout vous servir. Pourquoi vous avez trois yeux là? Mais. Ah, mais c'est un. Ah, mais regardez. Je peux l'enlever. Enlevez-le. Oui, bah, s'il vous plaît. La viande, c'est... Oui, oui. Oui, bah, je savais que c'est fini Halloween, hein, depuis un peu longtemps. Bah ouais, mais il m'a coûté cher, je rentabilise. Puis rendez-le. Attendez. Ils font ça, j'aurais vite fait là, parce que des fois... Les gens, j'avais plus tard, j'ai vu une goule qui était là. Mais bon, je pense pas qu'il y en a encore une. Tout déguisement, s'il vous plaît. Voilà, dépêchons-nous. Ouais. Il court vite le connard. Bien sûr, bien visible. Il y a deux façons de se le dire. Ok, moi je serai là. Il va sauter là. Ok, il est pas là. Il est pas là du tout. Hein. Je pense qu'on est complètement à l'ouest. Attends, je suis pas con, je vais monter là-haut. Putain de merde, ça se voyait que c'était une goule là, je suis pas con. Ah bah attends. C'est bon. Putain. Et comme par hasard on l'a pas, et nique sa race les goules. Oh là là, sérieusement. Vous en mettrez des invisibles. Parce que là il a. Non mais. Ça me saoule. Ouais, mais en fait, ils disparaissent, ils ont le droit. Dis-toi que c'est un éveil, quoi. Oh putain. Voilà, dépêchons-nous. Ouais. Putain, il court vite le connard. Bien sûr, bien visible. Il y a deux façons de se le dire. Ok, moi je serai là. Je vais sauter là. Ok, il est pas là. Il est pas là du tout, hein. Complètement à l'ouest. Je suis pas con, j'ai monté là-haut. Putain de merde, ça se voyait que c'était une goule là. Je suis pas con. Ouais, bah, non. Putain. Et comme par hasard on l'a pas, et nique sa race les goules là. Oh là là, sérieusement. Vous en mettrez des invisibles. Parce que là il a. Non mais. Ça me saoule. Ouais, mais en fait ils disparaissent, ils ont le droit. Dis-toi que c'est un éveil quoi. Oh putain. Ok, une goule. Ok. Je sais pas du tout. Rentre, y'a une goule, rentre, y'a une goule. Allez-y, mettez-les à l'amende. J'arrive pas à croire que c'est une goule. Parfait. Stop, arrêtez de taper, putain.
Putain monsieur, il est fou, il cherche la quille. Désormais, je demanderai par mesure du CCG que vous fournissez un pain avec le café. D'accord ? Vous savez ? D'accord, ok. Un pain à l'ail. Pain à l'ail, ok. On est, c'est pas Chica Vampiro, espèce de con. Ouais, mais ça a meilleur goût, un pain à l'ail. Ça a meilleur goût, donc ça marche pas mieux. Allez. Radicalement, quel fils de pute. Oh putain. Qui se lève le monsieur là ? Allez. Regardez-moi ça, on a arrêté une goulée. Moi j'ai bloqué la porte, c'est mieux que rien quoi. Qu'est-ce qu'il écrit le monsieur là ? Parfait rentrant. Qu'est-ce qu'il dit ? On a arrêté cette goulée. C'est des champions, hein, j'ai. Ouais, de vrais champions. Ils m'ont arrêté d'une façon très champion. Agent Gold, on va faire un interrogatoire, d'accord. Oui. Donc vous serez et celui nous, qui va interroger. De... Ah oui, je dois interroger. Du Kagune qui est assez pas mal. On peut régler un petit truc avant, juste avant ou quoi ? Régler un petit truc juste avant pour éviter de perdre du temps si jamais. Juste un petit truc juste avant parce que. Oui, bien évidemment. Parce que. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'au bout d'un moment. J'ai pas envie de me prendre un truc alors que je comprends le truc. C'est complètement. Privé, pour que ce soit pas polluant. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai pas fait. J'ai pas fait moi, attendez. Je vais regarder vite fait sur ma petite radio. Là. Comment on fait là ? Rapport interrogatoire. On va copier. Ok, taille, ouais. Ok. On va faire ça. Ok, vas-y. Mais c'est pas grave, dis ça pour ça. En vrai ça vaut la peine, mais... Ouais, laissez-moi, voilà, c'est quoi. Bon, je fais un interrogatoire test et ça compte un bref, petit dites-moi, peu, mais dites-moi, pas dites-moi. Non, mais tu vas le faire, t'en fais pas. Bon, je vais vous expliquer ce qui va se passer avant votre interrogatoire. Tout non. Alors, la personne qui va vous interroger va être cet agent, d'accord. Il devra prendre vos informations, je pense, classiques, d'accord. Je vais pas vous le mentir, je pense que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'on fait au goût de capturer. Je vais être honnête avec vous, vos chances de survie sont extrêmement minimes. Donc, il est dans votre devoir de coopérer. Si vous coopérez, le CCG a un droit, nous avons un droit dans notre constitution de vous, disons-le, de vous offrir une fin plutôt clémente. C'est-à-dire, vous ne mourriez pas, mais vous serez envoyé en détention. Je pense que c'est mieux que la mort. Bien. Dans le cas où vos informations sont cohérentes avec, bien évidemment, certaines vérifications. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui, très bien. Bien, dans le cas contraire où s'il y a des informations manquantes ou que nous avons jugé que vos informations sont mineures ou sont minimes, vous serez exécuté selon la loi du Japon et les lois du CCG contre les ghouls. Est-ce que vous avez compris vos droits ? Ouais. Bien. Oui, il n'y a pas de soucis. Agent Gold, il est à vous. Alors très bien, regardez, je vais les cuisiner moi, ce petit ghoul, cette petite ghoul. Alors c'est quoi votre nom de famille ? Mon nom est Arzuro Richi. Eh. Bon, oui, alors vous pouvez savoir son nom en faisant ce qu'on appelle. Ouais. Allez, faites ça, moi c'est plus facile. Alors, voilà. Alors, faites un test RC, interrogatoire. Ouais. Normalement. Vous allez avoir donc du coup par votre datapad les informations qui vont apparaître. Ah, j'espère hein, parce que ça va être compliqué sinon votre truc. Ah c'est bon hein. Attends. Ouais le mytho et ton nom de famille c'est pas pareil. Alors là. Bon, alors vous avez noté son nom de famille ainsi que son éveil ainsi que. À part son Kagune, c'est pas marqué son Kagune. Alors notez. Berserker. Ok. Alors vous notez son nom et son prénom ainsi que son nombre de cellules RC qu'il a dans son sang, son Kagune et son éveil. C'est déjà fait. Tout est marqué.
Alors attendez, je vais refaire un dernier test d'interrogatoire. Donnez-moi votre nom. Tout est fait. J'ai ma, j'ai ma petite fiche et tout écrit sur mon côté. Et tu vas voir, petite goule là. Tu vas voir, t'as tué des citoyens, c'est pas sympa ça. J'ai tué personne. Bah, si vous êtes une goule. Alors, vous voulez un truc qu'est-ce marrant, que vous en savez test... qu'on tue des gens? Ouais, bon, allez, d'accord. C'est pas parce qu'on se nourrit de personnes. C'est pas parce qu'on se nourrit de personnes qui sont mortes. Je sais pas si tu sais. Écoutez, je réponds. Vous n'avez pas compris. Vous répondez à ces questions. Si on vous demande de parler, vous parlerez. Ah, très bien. On va passer maintenant au test de la morphologie et du physique. Très bien, très bien. Inspecteur, faites votre 10. Oui. On voit pas votre matricule. Faut la faire comme ça, tu notes toutes les personnes, voilà. Et là, c'est bon. D'ailleurs, vous avez une estimation selon votre rang, vu que vous avez 2100 RC, Monsieur Litché. C'est qui lui hein? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que faudrait pas que je m'énerve contre n'importe qui. Oh, bon, le mec sombre qui va crever va fermer sa gueule un peu parce que là tu vas crever donc c'est bon. Hein. Tu aurais pu faire ton sombre avant, là t'es mort, là t'es déjà mort donc ça sert à rien de t'énerver. Bon, alors c'est quoi ton surnom? Excuse-moi, parce que, est-ce que t'as un surnom de ghoul? Est-ce qu'on t'appelle le restaurateur? Je suis très calme. C'est quoi ton surnom? Non, j'ai un petit surnom. Royce. Le quoi? Royce? Rolls Royce? Exactement. Okay. Exactement. De toute façon, vous savez, on a rien à foutre, vous allez crever donc ça n'a rien. Votre surnom, ça sert un peu à rien, vous ah allez bah, vous en avez rien à foutre, vous. Bon, vous avez quel âge? 20 ans. 25 ans. Ouais, c'est vrai, vous faites 25 ans, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous êtes masculin parce que vous genrez non-binaire. Mais bon, j'imagine que vous êtes pas de cette sale race. Non. Vous faites quel poids à peu près? Quel poids à peu près? Petit 80 kilos. Vous mesurez combien? 1m82. Bon, ça vous mentez ça. J'ai pris un centimètre. Comment? Vous mentez là, c'est 1m82. Vous mesurez 1m82 pour combien? 1m, je sais plus quel taille je fais, 1m80, 1m75, je sais plus. Oui, non mais d'accord, mais votre poids par rapport à votre taille. Ah, 80 kilos j'ai dit. 80, il est un peu... Il a bien mangé la comptine comme mon... 80. Alors, je vous invite, lorsque vous interrogez une goule, à voir avec CTRL F s'il y a déjà son nom répertant. Donc, il fait. Donc, le premier rapport mentionne que vous mesurez 1m80 pour 84 kg. Bon, léger sur. Non, il s'est trompé. Non, ouais. Alors, vous êtes sûr qu'il a un cagounet berserker? Vous avez pas une cagounet chimère blindée, vous? Par hasard? Mais il est mort, il est mort le mec, donc ça, c'est pas... Non, c'est un nouveau mec. Ah, d'accord, très bien. Je ferme ma gueule, du coup. Ah oui. Quel est votre groupe sanguin, Oh. Bon, allez-y. Positif ou négatif? Dans tous les cas, vous avez le modèle. Négatif. Et c'est quoi? Est-ce que vous faites partie d'une organisation entre goûts, là? Non, du tout. Ok. Vous êtes sûr? Vous êtes un indépendant? Ah oui, sûr. Et vous chassez où? Dans les cafés? Non, du tout. Vous chassez où alors? Là, mon terrain. C'est plutôt de voir les petits s'entretuer. C'est quoi? Bah, c'est toi. Non, mais votre secteur de chasse, parce que vous aimez. Les toits. Très bien. Pardon? Il a dit les toits. Les toits. Ah, d'accord. Parfait. Ah, j'ai cru entendre autre chose. Bon. Non, pas du tout. Vous avez tout noté? Oui, j'ai tout noté. C'est moi de mettre devant, vous avez fait un bon travail, agent. Bien, monsieur Litchi. Là, actuellement, vous nous avez donné des informations peu concluantes. Et à vrai dire, on est entièrement en droit de vous éliminer. Est-ce que vous auriez des informations, assez intéressantes, même bien que le fait que vous n'appartenez pas à une organisation? Est-ce que vous auriez des informations sur des groupes, sur des personnes de ghouls ou des personnes cachées pour des ghouls, enfin se faisant passer pour des ghouls? Vous savez que si c'est vous que vous mentez... Il n'y a pas de mensonge. Non, pas de mensonge, monsieur. Après, je ne pourrais pas vous dire de nom, ce qui me semble que je ne connais pas.
Tout ce que je peux vous dire, et ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui a une... Comment ils appelaient ça ? Black Panther ? Quoi ? Quelque chose comme oui, ça. Les Black Panther. Qui sont oui, les Black Panther. Des personnes assez puissantes, de ce que j'ai vu. On est au courant de leur existence. Vous okay. nous apprenez rien pour l'instant. Très bien. Il y a des personnes... j'ai entendu parler de personnes... qui étaient des scientifiques... qui voulaient créer quelque chose de très dangereux. Qui faisait partie d'une organisation de fous malades. Des noté, psychopathes en fait. Ah, je dois noter. Ok, ok. Des, franchement, des psychopathes. Des psychopathes qui peuvent créer une monstruosité. D'accord, et c'est qui vous savez des noms? Vous savez qui a propagé cette rumeur? C'était dans quelle zone précisément? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que... La non, personne qui m'a dit était une toute petite personne. Ah, une personne qui a voulu être... Non, qui a été recrutée. Ouais. Qui voulait, que les personnes voulaient le recruter, mais qu'il a fini par refuser, je crois. Quelque chose comme ça. Quelle était la description physique de cette personne, je vous prie? Ça va être compliqué. C'était une... Était-il... Non, négatif, ouais, négatif. Cheveux blancs... Avec une tenue un peu violette, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Violette. Portait-il un costume? Un costume en trois pièces? Non, c'était pas un costume, c'était un espèce de sweat. Ça sert à rien de savoir ses habits, Un espèce de sweat. L'inspecteur, il s'est changé donc, entre temps. Donc, si j'ai bien compris, ça sert à rien. La personne en question avait un sweat violet avec des cheveux bleu sombre, c'est bien ça? Non, pas le blanc, blanc. Blanc, vous dites? Il me semble que c'était blanc. Hein. Après, des fois, je fais pas trop attention aux couleurs. Hein. Il me semble d'accord. que c'était bien. Est-ce que vous avez pris des notes de ce qu'a dit le... Oui, j'ai tout pris en note, mais... Non, c'est... Ah, ok. Vous avez tout pris vis-à-vis de d'un groupe de scientifiques. Oui, boules, Black Panther, individu puissant, scientifique voulant créer une monstruosité dans une organisation. Et la personne ayant l'information, c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs avec une tenue violette. Avec un sweat, hein, vous précisez avec un sweat entre parenthèses. Bien. Bien, bien, bien. J'ai une autre question, mon cher, à vous poser. Je vous ai appris. Profitez-en. Ouais. Allez, dis-nous les infos. Je vais faire une petite parenthèse. Et après, je ferai une parenthèse. On va sortir du contexte, mais c'est pas pour le moment. Très bien. Bien, alors. Ce groupe de scientifiques, est-ce qu'ils ont une base en particulier? Ou est-ce que vous pensez que vous avez une idée d'où ils se trouvent? Alors, je pense qu'ils ont une base. Mais après, je ne sais pas. Bah, ça nous avance pas, quoi. Je sais pas vraiment. Bah, au moins, vous savez qu'ils en ont une. Après, à vous de chercher, moi, je connais pas ces personnes, personnellement. Mais il me semble que je les ai peut-être rencontrés une fois. C'est bien possible. Ah, une fois. Mais si on ne sait pas parler. On ne sait pas parler le problème. C'est juste qu'on m'a dit que c'était. Qu'il y en a un qui en faisait partie. Après, il y avait beaucoup de monde, c'est un peu compliqué. Ah, il y a beaucoup de monde autour, donc... Je sais pas si c'était des personnes qui étaient tous avec eux, mais... Il y avait une bonne quinzaine de personnes. Ouais. Quinzaine de personnes. Après, je sais pas si c'était des personnes avec lui ou non. Et vous étiez où, précisément? Expliquez leur truc, hein. C'était au chantier. Pour réfléchir, c'est compliqué, hein. Au chantier, intéressant. Il y avait 5-6 personnes au-dessus et des personnes en dessous. Est-ce que vous savez si le scientifique en question pratique un métier pour se cacher et pour ne pas ficher son... J'en ai aucune idée. Il pose des questions, il est même... Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais parlé à cette personne. Mais pourtant, vous l'avez rencontré. Vous vous contredisez, je sur l'ai... monsieur. Non. Vous disiez je vous ai avant dit... l'avoir j'ai... parlé un petit peu, mais ensuite l'avoir jamais parlé. Non, j'ai dit que la personne en question
qui m'avait renseigné sur ces informations m'avait dit que j'étais à côté de ces personnes-là quand j'étais au chantier. Mais ces personnes-là, je ne les ai pas parlé. Ouais. D'accord. Est-ce tout? Oui. Je vais un peu sortir de contexte. Je voulais savoir quelque chose.